notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a explicitement interdit la riba, donc les intérêts. Et une chose très importante à signaler, c'est que dans le Coran, riba est égal à déclarer la guerre contre Allah et son messager. En effet, Allah Azza wa Jal a dit « Ô les croyants, craignez Allah et renoncez aux reliquats de l'intérêt usuraire. Si vous êtes croyants et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux, vous ne laisserez personne et vous ne serez point lésés. » Sourate Al-Baqarah, versets 278 et 279. La question que je vous pose maintenant, mes chers frères et sœurs, c'est qui est donc capable d'aller en guerre contre Allah et son messager? Qui peut avoir l'audace de déclarer la guerre contre Allah et son messager? Yani, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Éloignez-vous des sept grands péchés destructeurs. » Les gens demandèrent « Ô messager d'Allah, mais quels sont-ils ? » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Donner un associé à Allah, pratiquer la sorcellerie, tuer la vie qu'Allah a interdite, pratiquer l'usure, c'est-à-dire les intérêts, prendre l'argent de l'orphelin, tourner le dos à l'ennemi en fuyant le champ de bataille au moment du combat et accuser d'adultère les femmes chastes, croyantes, qui ne pensent jamais à commettre un acte contraire à la chasteté. » Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, hadith numéro 6857. Prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون